En ligne. Mon nom est Simon, pasteur et responsable, entre autres, du ministère des Ados Accès. Si tu nous écoutes pour la première fois, permets-moi de te présenter notre Église en quelques minutes. L'Église Le Portail, c'est une Église représentée sur pas moins de quatre sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abbé Et pour Pâques 2023, Dieu voulant, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors si tu désires en savoir plus ou connaître nos horaires et emplacements, je t'invite à visiter notre site internet www.EgliseLePortail.com. Chaque semaine, notre Église offre plusieurs activités. Nous avons notre service Clic pour les enfants, où ils reçoivent un enseignement adapté à leur âge, où ils peuvent cliquer avec Jésus et avec les autres. Notre ministère Accès pour les ados et PGA, Portail Jeunes Adultes, pour les jeunes adultes, se retrouvent les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Pour ne pas manquer leurs horaires, vous pouvez suivre leurs pages Facebook respectives. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble durant la semaine. Si jamais vous désirez connaître où se situe un groupe près de chez vous, écrivez à notre équipe Petit Groupe avec un S à commercial église portail.com. Finalement, nous partageons la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine à travers nos messages. Alors, sans plus tarder, écoutons le message d'aujourd'hui. Bon matin, Église de Portail, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Oh. <laughs> je suis sûr que si vous étiez avec nous. Je suis sûr que si vous étiez avec nous, j'aurais sûrement entendu « Gloire à Jésus ». Mais je suis convaincu que là où vous êtes, vous avez pu le faire. Donc, bienvenue encore une fois parmi nous. Je me présente, je suis Warren Beaubrun. Je suis un des pasteurs de l'équipe pastorale de l'Église de Portail. En fait, je suis le pasteur implanteur euh, du site de Montréal-Nord. On est excité de pouvoir tenir une rencontre d'informations pour donner euh, des nouvelles au sujet de l'implantation ce mardi 14 mars à 19h30. Soyez des nôtres. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de revenir parmi nous à l'Église, il est temps de revenir. Je, je veux parler à votre cœur au sujet de ce que la Bible déclare quant à la paresse. Euh, je sais que c'est confortable, je sais que c'est le fun, moins de stress, pas besoin d'habiller les enfants, pas besoin de mettre sa plus belle coiffure ou son plus beau linge, mais de grâce, revenez à la maison. Il y a à peu près euh, dix ans que Dieu a mis sur mon cœur un appel pour un peuple nombreux. Pour un peuple nombreux, puis... Euh, ce peuple c'est la ville de montréal c'est plus particulièrement c'est montréal nord je crois que c'est dans la parole de dieu qu'on entend dans euh, le livre des actes si je ne m'abuse que dieu dira j'ai un peuple nombreux dans cette ville allez annoncer l'évangile puis vous savez ça fait presque dix ans mais ce n'est pas sans péripétie ni sans ironie que cela se passe et c'est vrai je suis un banlieusard je suis né en banlieue, j'ai grandi en banlieue, je vis en banlieue et pourtant, Dieu m'appelle moi, simple banlieusard, à aller implanter en milieu urbain, parmi les citadins. Donc, euh, vous voyez, Dieu fonctionne souvent avec des ironies et des péripéties. Je ne vous en ai, vous en ai cité qu'une seule et je suis convaincu que vous pourriez faire l'exercice aussi et en donner quelques-unes des péripéties et de l'ironie de votre vie. Notre Dieu est un Dieu d'ironie et ce matin, le titre de mon message, c'est nul autre que un Dieu pour un temps de contradiction. Un Dieu pour un temps de contradiction. Un synonyme aurait pu être un Dieu pour un temps d'ironie. On est dans le chapitre 6 et nous allons également voir le chapitre 7 ce matin du livre d'Esther. Et nous allons constater comment Dieu renverse les choses. Comment Dieu... Euh, Aime la comédie. Notre Dieu est un Dieu qui aime rire. Des fois, on imagine que Dieu y avait et, sur son trône sa grosse barbe et qu'il est stoïque, froid. Non, notre Dieu est un Dieu de plaisir. Notre Dieu est un Dieu d'humour. Et c'est ce que nous allons voir alors que nous rentrons dans la péripétie des deux chapitres. Et ce matin, alors que nous sommes dans le sixième message, après quoi il n'en restera que deux, j'aimerais qu'on regarde attentivement trois choses. L'anxiété, l'honneur et les promesses. Et si vous êtes toujours avec moi, si vous n'avez pas changé de poste <laughs> ou de page Facebook ou de page YouTube, je vous invite à tourner avec moi dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, avant Job. Donc si tu vois Matthieu, tu es un petit peu trop loin. Si tu vois Genèse, tu n'es pas assez loin. Tournons ensemble Esther chapitre 6. Je vais lire d'un coup les deux chapitres, 6 et 7. On parle de 24 versets, mais je trouve que c'est important. De lire la Bible. Les versets que nous proposent les applications de Bible ne sont pas suffisants. Les versets du jour ne suffisent pas pour une diète bien équilibrée de ce que la parole de Dieu dit. Et oui, j'ai hâte de parler. Oui, j'aime beaucoup parler, mais j'aime surtout écouter la parole de Dieu. Lisons ensemble. Je lis dans Louis II, la traduction de la Colombe. Et voici, je commence. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques. Et l'on en fit la lecture devant le roi et l'on trouva la relation du rapport de Mardoché sur Bictane et Thérèche, les deux eunuques du roi de la garde du Seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardoché pour cela ?» Les gens qui servaient le roi répondirent oh, « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais le roi dit « Qui donc est dans la cour ?» C'était Amman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardoché à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent C'est Amman qui se tient dans la cour. Le roi dit qu'il entre. Amman entra et le roi lui dit Que faire à un homme que le roi désire honorer En son fort intérieur, Amman se dit À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi <laughs> Déjà là, moi, je trouve ça drôle. Amand dit au roi, un homme que le roi désire honorer, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel une couronne royale a été posée, qu'on fasse donc du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire, qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Le roi répondit à Amand vite vite prends le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit et agis en faveur du juif Mardochée celui qui est assis à la conciergerie royale ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé Amant prit le manteau et le cheval et revêtit Mardochée le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui voilà ce qu'on fait à un homme que le roi a désir honoré. » puis Mardochée retourna à la conciergerie royale tandis qu'Amant se hâtait de rentrer chez lui le cœur en deuil et la tête voilée. Amon racontait à Zeresh, sa femme, et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers, Zeresh, sa femme, lui dirent s'il est de la race juive, ce mardoché, hein? devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui, ta déchéance sera totale devant lui. Il lui parlait encore lorsqu'arrivèrent lorsqu les énucs du roi. Ils s'empressèrent d'emmener Amon au festin qu'Esther avait préparé. Dernier chapitre, dix versets, tenez bon le roi et Amant arrivèrent pour festoyer avec la reine esther en second jour en ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin. Le roi dit à Esther, quelle est ta demande, reine Esther Elle te sera accordée, quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. La reine Esther répondit, si j'ai obtenu ta faveur au oh roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande, avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point. Le dommage causé au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther Qui est-il et où est-il, celui dont le cœur est rempli de tels desseins Esther répondit L'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant. Alors Amant s'effondra en la présence du roi et de la reine. Le roi, en fureur, quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Amant restait là, implorant la reine Esther, Esther, pour avoir la vie sauve. Car il avait bien vu que pour le roi, sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au royaume au moment où Amant s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria en plus. On fait violence à la reine en ma présence dans cette maison. Cette parole, à peine sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Arbonal, un des eunuques, dit en présence du roi Eh hey, il y a justement là une potence que Haman a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées de haut. Le roi dit donc qu'on l'y pende. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors, la fureur du roi s'apaisa. Amen. Prions ensemble. Bon Papa du ciel, nous nous prosternons devant toi avec reconnaissance et adoration. Nous venons à tes pieds pour entendre les paroles de ta bouche. Ô bon Maître, nous prions que ce ne soit pas un prédicateur qui nous enseigne, mais que ton Esprit Saint puisse nous animer nous convaincre de justice et de péché, et nous conduire vers le chemin de la vérité. À toi, Jésus, gloire et honneur pour tous les siècles. Amen et Amen. Wow, il s'en passe de l'action dans ce texte, c'est super intéressant. Um, beaucoup de péripéties, je ne sais pas si toi comme moi, tu as ri quand tu as écouté un peu. Amant au chapitre 5, dresse la potence. Il est comme, yes, I got me some plans, tu sais, j'ai des plans, ça va être le fun. Puis finalement, Amant termine au chapitre 7 <laughs> sur l'affaire qu'il avait fait pour. Oh, Amen. Ça n'était jamais arrivé ça dans ta vie, d'avoir ce genre de situation où quelque chose était prévu et Dieu l'a renversé? Mais tout ça commence où? Et c'est le premier point que je vais adresser. Retourne au début de ta Bible, ou plutôt au début de la portion que nous avons lue, au chapitre 6. J'aime comment le texte commence avec ⁇ Cette nuit-là ⁇ C'est l'histoire d'une nuit. Il était une fois une nuit. Et le titre de mon point, c'est ⁇ Un Dieu pour un temps d'anxiété ⁇ C'est vraiment intéressant de constater que le sommeil fuyait le roi. Le texte ne parle pas, évidemment, D'anxiété. Certains commentateurs aiment parler d'insomnie et on dit que l'insomnie serait un, un des symptômes qui peut découler de l'anxiété, qui est un terme médical pour parler de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Je pense que dans la Bible en entier, ça doit être un des sujets qu'on adresse le plus. N'aie pas peur, ne crains rien. Jésus dira Ne vous inquiétez donc pas de votre vie. Jésus dira, à chaque jour suffit sa peine. Ne soyez pas anxieux. Le psalmiste dira, j'ai cherché. L'éternel, je l'ai invoqué, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Jean 14 nous dit que notre cœur ne se trouble point car Dieu nous laisse la paix. Un pierre nous parle de tout lâcher à lui nos anxiétés. Philippiens 4, Paul nous parle de ne pas être anxieux de rien, de nous inquiéter de rien, mais d'adresser des prières et des supplications avec reconnaissance à Dieu. La Bible, est, elle, elle déborde sur la question de l'inquiétude et de l'anxiété. Anxiété. Et vous savez quoi? À l'heure actuelle, en 2023, 12 mars 2023, la science est catégorique. La science, la communauté scientifique est claire que si tu vis dans l'anxiété trop longtemps, tu raccourcis la durée de ta vie. L'anxiété, frères et sœurs, est un sujet bien réel, bien que les églises commencent à en parler. L'anxiété, la dépression, la santé mentale sont des sujets belles et bien réels. Et trop souvent, trop souvent, nous faisons ce que nous ne devons pas faire nous spiritualisons le péché et nous voulons, nous voulons médicamenter le péché et nous voulons spiritualiser les états de santé. Le sommeil est fuyant. Le traducteur va dire que l'Éternel prie le sommeil du roi. Il est vraiment intéressant de constater comment Dieu utilise les choses parfois insignifiantes et ironiques de nos vies pour accomplir Son œuvre. Le roi est là, il n'est pas capable de dormir. He's tossing and turning, il tourne de chaque bord. Peut-être que c'est ça. Et si je te posais la question ce matin, qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Est-ce que c'est une déclaration récente d'un de tes jeunes qui te dit qu'il pense vouloir faire un changement de genre? Est-ce que c'est ton épouse ou ton époux qui veut faire appel au divorce? Est-ce que c'est la proposition au consommateur qui pend au bout du nez? Est-ce que c'est le diagnostic récent de santé qui est alarmant? Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Est-ce que c'est un de tes jeunes qui est dans la criminalité ou qui est sur le, le chemin large de la perdition? Est-ce que ce sont des pensées suicidaires qui t'empêchent de dormir la nuit? L'université de Sherbrooke a produit des études en 2021 et 2022 et nous rapporte qu'un jeune sur deux de 12 à 25 ans présente des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée. Santé Canada nous dit que 30 des gens peuvent se voir stressés au cours de leur vie. Au cours de leur vie, ils peuvent se voir diagnostiqués avec un trouble anxieux et les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes. C'est documenté. Statistique Canada nous dit que 88% des répondants d'une étude sur l'anxiété, on parle de 46 000 répondants, 88% des 46 000 répondants ont éprouvé un symptôme d'anxiété deux semaines avant l'étude. Wow! Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Hier, j'ai dû faire les funérailles euh, d'une jeune maman qui venait de perdre son enfant de cinq mois. Qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te tiraille? Et j'aime le réflexe, et vous allez me permettre, j'espère bien, d'extrapoler de, un peu, mais j'aime le réflexe du roi, alors qu'une chose insignifiante comme le sommeil, nous savons que le sommeil est important, mais euh, l'empêchement du sommeil force le roi à dire, lisez-moi les chroniques. Les chroniques, c'était les affaires du roi, c'était les épopées, c'était les histoires qui s'étaient passées dans le royaume. Peut-être qu'il savait que c'était des histoires endormantes, c'est pour ça qu'il demande qu'on les lise. Mais c'est grâce à cette nuit-là, grâce à l'intervention du Dieu absent dans le texte, mais toutefois présent dans tout le récit, que l'histoire de Mardochée parvient aux oreilles du roi Xerxès, à Cyrus. Puis là, il entend l'histoire de ce qui est arrivé avec Big Tam, puis Teresh, puis commence... Puis c'est comme, wow. Et c'est ça, trop souvent, le problème, chers amis. Le problème, c'est que nous lisons la mauvaise affaire. Trop souvent, nous lisons la mauvaise affaire. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible et que tu as lu un, un passage aussi prolongé que ce qu'on a lu ensemble, est-ce que tu t'es joint au plan biblique de l'Église, le portail? Si oui, est-ce que tu persévères là-dedans? Quand ta vie va mal, quand l'anxiété frappe, qu'est-ce que tu lis? L'horoscope, les pensées de Nostradamus, un mantra, une séance de, de, de yoga. Lorsque l'anxiété poigne dans tes tripes, <laughs> c'est quoi ta référence À qui tu fais confiance et vous savez, trop souvent, le problème, c'est qu'on croit qu'être anxieux, c'est un péché. Être anxieux, c'est mal. Je vais vous prouver que non, parce que la Bible nous dit que Jésus est sans péché, qu'il ne pouvait pas commettre de péché. Et s'il est vrai que Jésus est sans péché, alors il est aussi vrai que lorsque Luc nous rapporte au 22e chapitre de son premier tome, il est vrai alors que Jésus a éprouvé de l'angoisse. Euh, ma traduction à moi dira qu'il était en à l'angoisse. Il priait et des gouttes de sang descendaient le long de son visage à l'approche de la croix. Jésus lui-même a éprouvé l'anxiété. Mais vous savez, c'est quoi le problème de l'anxiété, cher ami? C'est la manière dont on réagit avec cette dite anxiété. Quelqu'un a dit que l'inquiétude, c'est comme se bercer sur une chaise berçante. Tu fais quelque chose qui te garde occupé mais qui ne te mène nulle part. Quelqu'un d'autre a dit que l'inquiétude, c'est comme ouvrir son parapluie sans qu'il n'y ait de pluie. Le problème, c'est que lorsque nous entrons dans une période d'anxiété, lorsque tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est quoi ton comportement le lendemain matin avec tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse, avec tes collègues, avec tes employés L'erreur, ce n'est pas d'être anxieux mais d'être méchant. La parole dira que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si lorsque tu tombes en proie à l'angoisse, tu fais ce que mon ami dit. J'ai un ami qui aime dire ceci. Il dit, si je n'arrive pas à dormir, c'est parce que Dieu veut que je prie. C'est comme ça qu'il l'a compris, lui. C'est son interprétation. Mais si lorsque tu tombes en angoisse, tu n'as pas un caractère chrétien, c'est là. Mon ami, que tu pêches, si tu es irritable, méchant, colérique. J'aime comment le roi va demander à ce qu'on lui lise les chroniques et envoie du monde chercher le livre pour lui lire. C'est qui ton monde de confiance C'est qui qui t'aide est-ce que tu t'es joué à un petit groupe? Est-ce que tu as des gens dans l'Église auxquels tu peux t'identifier quand le malheur vient? Vous savez, les brebis, ce pas pour rien qu'on est comparé à des brebis. Les brebis sont des animaux qui ne survivent pas seuls. Les brebis sont des animaux sans défense. Leur défense, c'est le nombre. C'est lorsqu'ils sont en troupeau qu'ils sont plus forts. C'est lorsque le berger est près d'eux. C'est pourquoi je veux t'encourager. Je veux t'encourager à considérer les soins pastoraux, la relation d'aide, le counseling biblique. Je veux t'encourager à considérer les petits groupes. Je veux t'encourager à considérer notre chaîne de prière. Je veux t'encourager à considérer contacter un de nos pasteurs. Je veux t'encourager à considérer lire ta parole. Vous savez, nous avons... Un meilleur roi, et vous l'avez déjà entendu, mais le roi est ici, puis ce qu'il fait, c'est qu'il il, il va demander qu'on lui lise, puis après ça, il va pas entendre l'histoire, puis il va vouloir savoir, c'est quoi qu'on a donné? C'est quoi la promotion? Qu'est-ce qu'on a donné à celui qui a fait du bien? Mais notre roi nous a donné son fils, Jésus-Christ, afin de nous aider sur notre chemin. Jésus a fait le chemin pour nous comme exemple afin que nous lui suivions, afin que nous le suivions sur le chemin de la vie. Et alors que le verset 3 nous parle de promotion honorifique, mon deuxième point ce matin, c'est que c'est un Dieu pour un temps d'honneur. Des versets 3 à 14, on voit découler un peu l'ironie. Le roi apprend l'histoire de Mardochée. Au même moment, il voit quelqu'un dans la cour. Il dit hey, C'est qui lui C'est Amman. Amand arrive qui était déjà élevé. Aman a soif de plus d'élévation. Il entend l'histoire du roi. Il dit Oh, 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 oh <laughs> Il dit C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ama avait déjà reçu le signet, il avait déjà envoyé, avait pu envoyer une lettre, un décret au nom du roi, etc. Et donc, <coughs> il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, Ama ayant plus soif. Il se dit Ok, bon, mais ben, écoute, <coughs> je vais prendre ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. Je vais prendre ça aussi, ça aussi. Donne-moi le manteau roi, donne-moi le cheval roi, donne-moi le diadème roi. Ok, yes. Il se fait une belle liste. Mais j'aime que l'histoire nous rappelle que même ceux qui sont les plus grands, comment dirais-je, ceux qui sont les plus grands rois, les plus grands dirigeants de ce monde sont soumis à l'autorité de Dieu. Puis c'est ce qu'on continue de voir. Et là, j'aime aussi quand on lit l'histoire de cette époque, Hérodotus, qui est un grand historien, nous raconte que c'était très, très, très courant dans la culture assyrienne, dans la culture perse, et même dans la culture biblique. On le voit un peu avec le cas de Joseph, on le voit avec le cas de Jonathan et David, hein, lorsqu'il lui donne le manteau, on le voit avec le cas de David et Salomon, la monture royale. Et donc, c'est quelque chose qu'on voyait, mais particulièrement dans l'Empire assyrien et perse, on voit cette histoire. On nous raconte même l'histoire de Darius avant d'arriver au pouvoir. Euh, il avait reçu un manteau écarlate d'un certain Sisolone. Puis quand il arrive au pouvoir, Sisolone se présente devant lui, puis le roi l'accueille, puis il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et puis le roi, Sisolone euh, lui rappelle, et hey, c'est moi qui t'avais donné ce manteau. Puis dit, wow, il dit, ok, parfait, puis il prépare un grand honneur pour Sisolone. Il dit, je vais te donner de l'or, je vais te donner ci. Sisolone lui dit, non, 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 ce que je veux, c'est que tu ailles récupérer, que tu mènes une guerre pour récupérer les terres de mon père. C'était quelque chose de populaire, c'était quelque chose qu'on voyait, mais certains commentateurs disent que l'idée de porter le manteau, de porter, c'était plutôt rare. C'est comme si l'auteur a voulu nous démontrer l'avarice d'Aman. C'est comme s'il y avait une, ino, une ironie dans l'honneur. Amant veut tellement que sa demande devient ridicule mais j'aime la bible qui nous dit que dieu résiste aux orgueilleux que l'humilité précède la gloire. vous savez la différence entre l'honneur et l'adoration est très mince parce que j'ai pris les définitions d'honneur et d'adoration et, et j'aimerais vous les lire l'honneur fait référence à à la démonstration du respect, de l'admiration et de la reconnaissance de quelqu'un ou quelque chose, ou a, envers quelqu'un ou quelque chose dû à leur qualité, à leur accomplissement ou encore à leur action. Par exemple, une personne peut être honorée pour sa, braverie, sa bravoure, son service ou sa contribution à la société, alors que l'adoration, de l'autre côté, elle fait référence habituellement à l'art ou à l'acte de révérence, d'adoration ou de dévotion à une divinité ou une perso un personnage religieux. Par contre, l'adoration peut aussi faire référence à l'admiration extrême, au respect extrême ou à la dévotion envers quelque chose ou quelqu'un. Et vous savez, le problème, frères et sœurs, avec nous, c'est que nous sommes ou bien avarices, ou bien avares, ou bien hypocrites. On est à la recherche de plus d'honneur, de plus de reconnaissance. T'as pas remarqué, quand on fait une reconnaissance des bénévoles, on dit merci à ce bénévole-là, tu te sens un peu froissé. Peut-être pas toi, mais moi, oui. <laughs> tu te sens froissé, tu es comme, hey, yo, yo. Puis moi, mais ben voyons donc, moi, quand j'étais. Oh, tu vas OK. Ah oh, ouais, OK. Ah ouais, tu sais de quoi je parle. Quand on n'a pas cette reconnaissance, quand on n'a pas ce spotlight, On est avare, on en veut plus, toujours plus. Le problème, c'est qu'on est hypocrite. Et Quand tu, tu croises quelqu'un sur la rue que tu n'as pas envie de voir, arrête. <laughs> tu fais comme si c'est juste moi. Tu baisses ta casquette. Tu fais, hey, c'est pas toi, Jack. Tu fais comme si tu pas entendu une problème. Puis là, il te prend l'épaule, puis tu te retournes. Oh, je ne t'avais pas vu, bro! <laughs> Ça va? Arrête! Puis là, tu t'en vas et tu comme, oh man! Puis là, tu parles à ton ami et tu comme, yo, j'ai croisé l'autre. Fatigant, lui? Non? Ok, c'est juste moi qui a besoin de Jésus. S'il vous plaît, priez pour votre pasteur, priez pour moi. Ah, oh, mais j'ai besoin de Jésus. Mais on hypocrite! Et j'aime comment la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. J'aime comment la Bible nous démontre que Jésus est l'exemple absolu. D'humilité. L'humilité précède la gloire. Allez avec moi dans Philippiens 2. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi, Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Celui qui s'est dépouillé a été élevé. J'aime l'ironie dans l'honneur comme je disais, c'est drôle de voir que ce qui est montré pour Mardochée, on va finir par lui dire de faire tous les détails à Mardochée, ne néglige rien à. Puis là il va prendre le cheval, il va mettre Mardochée, puis c'est drôle comment l'auteur reste silencieux sur la réaction de Mardochée, peut-être parce qu'il était humble. Parce que le texte va nous dire qu'il est même retourné après à sa place. Mardochée sur le cheval, la parure, il y a des commentateurs qui disent que le diadème c'était sur la tête du cheval, c'était une pratique que les Perses faisaient, il y en a d'autres qui disent que le diadème était sur la tête de celui qui était honoré. Dans tous les cas, c'était pour démontrer encore une fois l'honneur et voyez Jésus. Lorsqu'on l'a dépouillé, nous dit Matthieu, dépouillé de ses vêtements, Matthieu 27, on lui a mis une cape écarlate qui était la couleur des rois. On lui a mis une couronne d'épines qui pressait contre ses tempes. On lui a donné un roseau et on l'a moqué. Et même lorsqu'il est entré dans Jérusalem sur le dos non pas de cheval mais de nanon, le roi des rois. Tantôt je disais nous avons un meilleur roi. Et maintenant, j'aimerais déclarer que nous avons un meilleur homme. Jésus n'est pas seulement Dieu, il est pleinement homme. Il est meilleur que Mardochée. Il est l'humilité par excellence. Et nous pouvons honorer Dieu avec nos vies. C'est l'histoire d'un magnifique bouquet de fleurs. Imaginez-vous un instant que vous entrez dans un magasin floral chez le fleuriste. Vous arrivez, il y a un beau bouquet avec un arrangement des belles fleurs, avec des belles robes et une belle parure de Belles couleurs. Et c'est comme ça que nous devrions voir nos vies, que chaque acte d'adoration, d'admiration, d'honneur à Dieu est la représentation de ce beau bouquet de fleurs. Nous sommes appelés à honorer Dieu avec nos vies, dans nos relations. En tant qu'Église, nous sommes appelés à honorer Dieu dans le quartier. Demain matin, quand tu te réveilles et que tu vas à la job, que ça ne te tente pas d'aller. Comment honoreras-tu Dieu? Comment sauront-ils que tu es disciple de Jésus? J'ai une question pour toi. Lorsqu'on regarde au désir de gloire et d'honneur d'amant, il est évident. Mais dans votre vie, si Dieu vous soumettait complètement à des activités dépravées, si Dieu te laissait faire ce que tu voulais, qu'est-ce qui vous prendrait au piège et vous détruirait? Qu'est-ce que tu désires plus que tout au monde Alors qu'on... Tout au long de cette série, on parle de quel Dieu nous servons, on parle de ses attributs, de sa providence, on parle de comment il a tout orchestré souverainement. Tout au long euh, de, 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 de cette série, on parle de, de comment Dieu prend soin de son peuple, même lorsque son peuple ne le voit pas ou ne l'entend pas. Et ce matin, on a parlé d'un Dieu pour un temps d'anxiété, un Dieu pour un temps d'honneur. Et finalement, comme dernier point, j'aimerais parler d'un Dieu pour un temps de promesse. Et c'est l'ensemble du chapitre 7 que j'aimerais commenter, les 10 versets. Et j'aimerais nous dire que notre vie fait écho à une promesse qui a jadis été faite. Soit dit en passant, cette promesse qu'on retrouve au chapitre 3 de la Genèse, le premier livre de la Bible. C'est tout juste après le premier épisode d'anxiété que la Bible repertorie, recense. Il y a deux humains qui sont là, qui vivaient ensemble, qui se sont fait séduire, qui ont pris une mauvaise décision, qui ont commis le premier péché, qui ont été désobéissants à Dieu. Puis Dieu va se mettre à les chercher parce que Dieu est un Dieu d'amour, sa grâce est infinie et il les cherche. Puis ils partent à courir parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait, mais aussi parce qu'ils sont tout nus puis en ont pris connaissance. Peut-être qu'ils aimaient pas ce qu'ils voyaient dans le miroir. Je ne sais pas si les miroirs existaient dans ce temps-là. Il faut comprendre que les promesses ne sont pas simplement des mots, ce sont des engagements. On raconte l'histoire de quelqu'un qui voulait illustrer la puissance de la promesse. Puis la personne se rappelle que à son mariage, son mari et elle avaient décidé de dire les vœux. Puis dans les vœux, on disait qu'ils allaient être ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare, puis l'homme va, va devenir malade, très malade, puis il va finir par mourir, puis la femme se souvient et dit Waouh, même dans la mort, mon mari a été fidèle. Il a tenu sa promesse. J'aimerais vous lire pour ceux qui ne connaissent pas Genèse 3, le texte n'apparaîtra pas à l'écran, mais Genèse 3, rapidement, 14 à 19, nous dit ceci L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu as dans, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. te produira des chardons et des broussailles. Tu en mangeras, mangeras l'herbe de la campagne et c'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est de cette promesse que je veux parler. Cette promesse qui nous rappelle. Que Dieu avait promis au serpent qu'il serait écrasé, l'ennemi par excellence. C'est pas amant, bien que le texte nous parle d'amant. J'aime comment Esther va dire au, 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 au roi lorsqu'elle lui présente sa requête après cette fête presque tirée les vers du nez. Le roi est comme yo, come on. Elle va finir par lui dire J'aimerais avoir la vie sauve. On a été vendu. Rappelle toi les, les, les Égyptiens qui couraient après les israélites rappelle toi de l'oppression du peuple jusqu'ici jusqu'ici l'éternel les a secourus elle va dire je vais avoir la vie sauve il faut qu'on se rappelle que Christ a combattu pour la vie de son peuple j'aime comment Esther va s'identifier jusqu'ici on ne savait pas qu'elle était juive elle va parler elle veut pas juste être sauve elle mais que son peuple aussi ait la vie sauve. Est-ce que tu t'identifies en 2023 à la cause des chrétiens? Est-ce que ton entourage sait que tu marches avec Jésus? On raconte l'histoire d'un homme qui vieillissait. Puis il avait une rencontre, il devait aller à une rencontre, puis en partant, il est pressé, il est presque en retard, puis il arrive à l'auto, les portes sont barrées, faut il faut qu'il retourne à l'intérieur, puis il est vraiment frustré, puis il prend ses clips, puis tout le long de la route, il réfléchit, puis il dit... Je vieillis. Il dit, je vieillis, j'oublie des choses, je ne je suis pas capable de me souvenir de certains trucs, j'arrive en retard, je suis distrait. Puis c'est ce que notre problème, c'est exactement ce que l'homme vit, c'est qu'on a la mémoire oublieuse, nous oublions les 9000 promesses que la parole contient pour nous. Le peuple devait se rappeler un peu comme ce qu'on a vu au chapitre 2, quand on a appris qu'il y avait un édit qui allait être fait. Chapitre 1, plutôt, devrais-je dire. Il y a un décret qui va être prononcé, puis c'est la veille de la Pâque, ce symbole qui nous rappelle que Dieu nous a libérés, que Dieu libère encore en 2023. Et l'homme qui vieillit finit par dire Ok, je vais mettre en place des procédures, je vais mettre en place des pratiques pour être sûr que je n'oublie rien. Je vais commencer à me faire des listes, commencer à créer des alarmes avec des notes, des, des rappels. Je vais, je vais me tenir redevable auprès de quelqu'un qui va m'aider. Et notre travail, cher ami, c'est exactement la même chose. Nous devrions lire notre Bible. Nous devrions chercher à prier davantage. Nous devrions chercher à être entourés de frères et sœurs qui peuvent nous rappeler lorsque nous sommes faibles les promesses de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous constamment de se rappeler que Dieu finira par vaincre tous ses ennemis? Pourquoi? Alors qu'on voit le dénouement ici dans la péripétie, le renversement, on voit que Aman va se faire tasser, va se faire pendre, beaucoup de choses qui se passent. Esther va dire que l'ennemi ne mesure pas les dommages qu'il peut causer au roi, beaucoup d'actions qui se passent. Mais pour demain matin, j'aimerais que tu saches que tu as de meilleures promesses. Tu as la promesse de la vie éternelle, l'assurance du salut. Tu as la promesse qu'il y aura un jugement dernier sur tous tes ennemis. Dieu revient. Tu as une promesse, promesse qu'au-delà du banquet, du festin d'Esther organisé pour Amant et le roi, nous avons de meilleures noces, le banquet des noces qui nous attend. Nous avons un meilleur festin à célébrer. Soyons une Église qui est prompte à nous rappeler des promesses de Dieu. Lamentation 3, à 19 nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin et c'est aussi vrai pour toi demain matin. Et alors que j'arrive à ma conclusion, j'aimerais vous citer ceci, Paul David Tripp qui dit, L'oubli de la miséricorde est dangereux car il façonne la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez les autres. Lorsque vous vous souvenez de la miséricorde, vous vous souvenez également que vous n'avez absolument rien fait pour mériter ce dont la miséricorde vous a gratifié. Lorsque vous vous souvenez de la miséricorde, vous êtes humble, reconnaissant et tendre. Lorsque vous vous souvenez de la miséricorde, les plaintes font place à la gratitude et les désirs égocentriques à l'adoration. Mais lorsque vous oubliez la miséricorde, vous vous dites fièrement que ce que vous avez est le fruit de votre travail. Lorsque vous oubliez la miséricorde, vous vous attribuez le mérite de ce que seule la miséricorde peut produire. Lorsqu'on oublie la miséricorde, on se considère comme juste et méritant et l'on mène une vie exigeante et pleine de droits. Ne soyons pas oublieux de ce que Dieu nous donne gratuitement. En conclusion, comme j'ai dit, j'aimerais vous présenter l'arc narratif, l'arc rédempteur du livre de la Bible. C'est vrai, du, du récit total de la Bible. C'est drôle de voir qu'Esther, alors qu'on parle d'exil, c'est exactement ce que nous vivons en tant que chrétiens. Du, dû au péché des premiers humains, nous ne sommes plus dans la fraîcheur et dans le délice que procure le Jardin d'Éden. Nous sommes des exilés sur terre, sur cette terre où on ne voit pas Dieu. Nous ne pouvons que nous attendre à la mort comme Esther et Mardochée. mais la péripétie ultime de nos vies à comment la péripétie ultime de nos vies a à faire avec la naissance ordinaire d'un bébé à Bethléem. Le point pivot de notre humanité, c'est la croix de Jésus. C'est là qu'il change notre déchéance en joie. Nous sommes dans l'attente maintenant de notre patrie céleste. Oui, nous attendons la venue de Jésus dans la gloire. C'est quoi l'idée du message de ce matin? Qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Par les moyens ordinaires de nos vies, Dieu renverse les situations oppressantes des ennemis de son peuple. Puissions-nous ce matin nous rappeler des promesses de Dieu et vivons dans la confiance que Jésus combat pour nous. Fait intéressant. Au verset 9, on va nous parler d'un neuneu qui arrive par rapport dans l'histoire. Hey, ça tombe bien, il y a une potence qui est comme une croix. Disons pour elle, c'est parfait, ça? Quel snitch! <laughs> Quel rapporteur! Et j'ai été faire un exercice de voir que signifiait le nom Arbonin. Et ça signifie celui qui mène la guerre, le guerrier. Puis ça m'a fait penser à l'image de Dieu de Yahvé dans le livre d'Exode quand il dit au pharaon laisse partir mon peuple. Puis la dernière plaie va se produire, le peuple, le pharaon va laisser partir le peuple, mais il va quand même décider de poursuivre le peuple. Puis là, Dieu se transforme, on dirait ou Dieu nous montre son attribut son côté guerrier, il va ouvrir la mer pour que son peuple place. puis il va refermer la mer sur les chariots et l'armée du pharaon, l'armée égyptienne et ça nous montre que Dieu est un et c'est drôle parce que dans Exode 14, verset 14, on nous dit que l'Éternel combattra pour vous, mais vous demeurez fermes. Nous avons un meilleur guerrier qui renverse la vapeur. C'est pourquoi nous disons que la bataille, la victoire, l'honneur, la paix et la grâce appartiennent à Jésus. Il est le meilleur stratège. Il est le Dieu des renversements. Et j'aimerais maintenant clore. Ça fait trois fois que je dis conclusion, je m'en vais, c'est promis. J'aimerais clore avec ces deux idées. Et si la potence faisait appel à deux choses? Et si la potence faisait appel à ce Jésus qui a été crucifié, nous qui étions ennemis, nous dit Romains 5,10, nous qui étions ennemis, que Jésus est devenu ennemi à notre place? Si tu ne connais pas Jésus là où tu es, c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur. Si tu le laisses entrer, il mangera avec toi. Un Pierre va parler que nous étions loin de Dieu. Et si la potence pouvait également faire appel à ceux qui vivent en Christ pour nous rappeler que l'ennemi a été vaincu, Amant est vaincu, le diable, la puissance du péché est vaincue. Oui, sa présence est encore parmi nous, mais Jésus revient l'éliminer une fois pour toutes. Quelqu'un devrait dire ⁇ Amen ⁇ Quelqu'un devrait dire ⁇ Merci Seigneur ⁇ Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous garde et soyez bénis cette semaine. Au revoir. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur l'église Le Portail, je t'invite à nous écrire à, à portail.com et un membre de notre équipe te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons. Il continue de sauver encore aujourd'hui et de transformer des vies. Votre soutien est important et contribue à notre mission, qui est d'aider tout le monde à découvrir comment tout a toujours rapport avec Jésus. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire directement votre, via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don avec un s à portail.com Au nom de toute l'équipe, passez une excellente semaine.